Ah. J'ai enfin rencontré le vieux Cotard. Ici? Sous les berges. Et crois-moi, c'est peiné les jardins. Il a un gourdin, un truc comme ça. Il te plairait, toi, comme les vieux. Non, j'aime les hommes mûrs, pas les vieux. Ah, oh, je te charme, moi. Il doit avoir 75, peut-être même 80 balais. Ah, super. Et à part son âge avancé, sa grosse queue, il te plaisait? Bon, pas les masses. Et même carrément pas du tout. T'es sûr, t'es vraiment con. À quoi, on a pris du bon temps. En plus, il m'a fait bouffer un truc. Un truc dément. Ça te file une putain de trick, tu devrais essayer. Ça va, je bande encore. Et surtout, ça te file une super envie de baiser. Enfin, c'est pas très nouveau, non? Attends, tout ce que t'as pris jusqu'ici, t'oublies. J'ai jamais pris un truc pareil. Pourtant, j'en ai pris des trucs. Parce qu'en plus, tu restes lucide, pas d'hallucination, aucun plan pourri. T'imagines un peu? Oui, sauf que si je trouve pas quelqu'un avec qui j'ai envie, je vois pas l'intérêt de prendre un truc qui m'en donne envie, non? Et pourquoi pas? Quand t'as pas envie d'un homme, c'est aussi que t'as pas envie d'en avoir envie, non? Oh, ça, c'est discutable. Avec un bon stimulant, ça t'aide à passer ce cap, après ça roule. Je suppose que c'est quand même quelque chose qui t'attire chez l'autre, non? Ah, ce qui m'a filé, c'est tellement puissant qu'il n'y a pas besoin de ça. Enfin, là, c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'on pourrait baiser avec n'importe qui, n'importe comment? Ne me dis pas que t'as jamais baisé avec un mec qui te plaisait pas. Justement, j'ai plus envie de ça. Ouais. De toute façon, faut pas se faire d'illusions. On baise jamais qu'avec ce qu'on trouve. Ah, désolé, mais moi, je peux pas me faire à cette idée. Tu as bien t'amuser dans la vie, hein? Tu préfères attendre un mec impossible? Non, mais je préfère, parmi les mecs possibles, celui avec lequel ça pourrait être pas trop mal, tu vois. Eh ben, amuse-toi bien, bonne chance. Hein. Quelle fille? Mais la jeune fille! Celle qu'on a sauvée avec le vieux Cotard. Allez, on vient de coucher, allez. Tu vas dormir, ça va passer. Si ça, ça va passer. Hein. Bien sûr que ça va passer. On a fait des trucs tous les deux? Bon, ça, c'est la meilleure. J'ai baisé avec toi. Ouais, et même bien. J'ai rien senti. Ça te dérange pas si je reste? Quoi, ça te dérange? Vraiment, on est chez toi. Putain, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Maintenant, si tu veux draguer, il te reste Internet et Toulouse. Là, tu peux y aller. Pour le business, il y a du monde, hein. Bon, on va boire un pot? Non, on reste. Il y a personne? Si tout le monde se barre, c'est sûr qu'il peut y avoir personne. Bon, tu fais comme tu veux, mais moi, je me casse. Mais de quoi on ne parle, hein? Si on tient pas bon maintenant, c'est la fin de la drague sauvage à Albi. J'aimerais bien que tu m'expliques cette histoire de bracelet. C'est quoi ce truc? Mais cette fille, elle a vraiment envie d'elle. Dans l'idée, ouais. Donc t'en as pas envie? Si, mais quand je suis en face d'elle, ça se complique. Ah, t'es bien gentil, Arnaud. Soit on a envie des gens quand ils sont là, soit on n'a pas envie. Bon, ça permet de te dire que c'est pas aussi simple. Hein. Tu crois sérieusement que tu pourrais coucher avec une fille? On sait, mais dis que ça doit pas être si dur que ça. C'était pas si dur que ça, on s'en serait peut-être aperçu depuis longtemps, tu crois pas? T'as essayé, toi? Bah, Armand, tu vas pas me dire que t'es baisé juste par plaisir de l'être. Juste pour la liberté que ça donne, le côté festif de la chose. Si, aussi pour ça. Parce que t'aurais pu faire autrement. Écoute, Jean-Jacques, même si j'ai rien demandé à personne, je suis persuadé qu'au fond de moi, j'ai eu le choix. J'ai choisi de vivre comme je vis. Et si je l'ai eu le choix, même à 40 ans passés, je veux continuer de l'avoir. Cette vie-là m'a bien éclaté. Aujourd'hui, ça me fait chier, c'est aussi con que ça. Tu sais, si la plupart des hommes aiment les femmes, s'ils font des enfants, construisent des familles et que ça dure comme ça depuis la nuit des temps, c'est peut-être que c'est pas si mal que ça. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut pas dépasser.